entre la Rosalina de Dabeuze et il là-bas avec Rondoudou. Oh non. Hein, mec, il est incroyable ce match. Bah je crois pas l'avoir vu, figure-toi, mais j'ai vu cette team Hungry. Mais je ne l'ai jamais retrouvé, j'ai cherché sur internet, je t'ai dit, je demandais à Zéro, il m'a dit cherche sur internet avec ça. Du coup, le match qui commence avec cette ligne contre KJ, KJ et ça part sur Smashville. Bon, Franceville, hein. Bon. Ça ne dérange pas la règle. Bon, cette fois, pas de français sur le stream, mais on va voir KJ, donc qui était un des meilleurs Samu, c'est ça? KJ, bah là, je pense que c'est la Winners Finals pour ouais, je pense, hein. Stream, mais ça doit pas être n'importe qui, KJ, ouais. Pour être à ce stade-là. Alors, compétition. C'est très intéressant parce que sur un fast follower, Samus a des free follow-up, notamment sur bon, Downthrow, forcément, sur Dash Attack. Sur Dash Attack, ça Dash et Attack. Et Down Tilt aussi. Hein. Down Tilt, t'as des Down Tilt up air. Donc, t'as vraiment beaucoup de choses. Attention au stage pack. Derrière le footstool. Oh, il s'est fait complètement right. Très très bien joué de la part d'Aistodin qui. Voulu, pas voulu, on ne sait pas, en tout cas ça rend très bien. Voulu. Je pense que c'était voulu aussi. Icelink, c'est un joueur qui a des excellents réflexes. Il a des bons réflexes et puis surtout il a des fondamentaux, des mécaniques. Des fondamentaux incroyables, mais surtout sur ses réflexes qui m'a beaucoup étonné. J'ai pu un petit peu free play avec lui à l'Eclipse 2. J'étais mais bluffé. C'est un joueur qui a un temps de réaction incroyable, une capacité d'adaptation énorme. Ouais. Il ne sera pas forcément basé sur la read comme Elex ou quelque chose comme ça, c'est vraiment les réflexes, la réaction. Et regarde là, il vient de lui mettre une série de là, 4 paires, 55% déjà. Très compliqué. Le problème KJ. C'est que. Ouais, mais non, ça revient. Bon. Revient. Et regarde, en plus, il choisit le bon angle pour pas se faire d'air ou alors il se fait sour spot. Là, ça, justement, c'était le cas. Et on se voit hein, justement KJ qui là va réussir aussi un très bon edge guard. Je sais pas trop ce qu'il a fait, il a perdu pas mal de temps de frame où il aurait pu essayer de tromper son adversaire. Ouh, dommage, il avait lu la roll avec ce Benoît, mais un petit peu mistime pour le coup. Ouais. Est-ce qu'il va tenter? Attention, on va venir avec un petit backer. Samus qui a des coups très intéressants. C'est dommage, un bah, peu flotty. Il manque pas de kill move. Ouais. Une rien, elle a un nerf qui peut tuer très tôt, ça peut surprendre. Ouais, le nerf, le backer, le neutral B, le up B qui peut tuer. Le up B peut tuer à n'importe quel moment. Hein. Qui peut tuer à 0% même. Hein. Ouais. Avec la winbox un peu chelou. Avec une Samus Unrage, on a un dash attack ou une des certaines hitbox du up B. J'ai aucune idée de laquelle c'est. C'est ouais. Pas le launcher, c'est pas c'est le pas finisher. Mal, je suis en train de faire la KJ. Hein. Le perfect shield, tout je charge. Hop. Oh, attention, non. Ouais. Bien l'avantage c'est que c'est flotty, c'est pas évident de follow-up, le fer qui passera pas pour Estudying. KJ, très bien joué, ça c'est classique hein, avec Samus, faut s'en méfier. La release de l'edge, oh, attention dommage. C'était bien vu. Ouais. Et du coup peut-être un edge guard down air ou quelque chose comme ça. Non, ouais, il essaie de mettre le fer. Ouais, pas bien, le fast follow pair, le backer, attention parce que là il a plus beaucoup de shield. Son shield je pense explose à Estudying hein, s'il se prend le neutral B. Bah, tu vois, ça m'étonnerait pas de voir un mix-up avec un missile ou quelque chose comme ça pour chercher le shield break. Ouais, c'est ça, ouais. Attention, non. KJ qui saute bien, qui n'air dodge pas. Ah, il attendait ça. Il essaie de trump, t'as vu, c'est intéressant. Et là, il essaie de mettre un reverse B, il a pas réussi. Plus à. Ah non, tu l'as pas. Son Benoît. Dès la première animation, en fait. Hein. D'accord. Et le fer. Coup, voilà. Le fer. Le fer, c'est un kill, ouais. Un Phenomy qui est très très léger. Le fer est pourtant pas une kill move à proprement parler. C'est non. Un très bon outil de spacing pour le coup, mais là. En fait, c'est très bien parce que tu peux mettre des follow-up, notamment sur les villes à plateforme comme Tandem City et Smashville. Smashville pour le tu coup, peux mettre des fers en fait en bord de ledge parce que ça se combatte très bien. Ouais. Oh, attention, d'un petit tout faire et ça va tuer. La DI qui était peut-être pas on point pour le coup. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Je crois qu'il y a au pourcent. C'est pas évident. Kill move. Hop là, Obstro, d'accord. Il a tenté de mix-up pour essayer de brouiller la DI. Il a pas réussi. Non, il a pas réussi, dommage. C'était peut-être le pourcent était peut-être un petit peu trop bas. Puis sur les persos flottis, c'est tellement dur les combos footstool et tout. C'est sûr. Dash attack, on essaie, ouais, dash attack tout faire. Ce qui est bien, c'est que tu peux énormément bait les air dodge avec ce perso. C'est voilà, ça. On met le down B, on essaie de récupérer l'edge. Le petit qui va passer, le jab, on récupère le truc, on est en train de le mettre une énorme pression. Le zer, on essaie de faire un zer tout boule, c'est pas passé. Ça va passer. Là, Icedin qui a une bonne ligne, il va pas faire de commit douteux, il attend pour le coup, il va attendre l'erreur. Ouais. Et voilà, le petit grab qui passe. Et le upper. Le upper, voilà, ça met les pourcents et ça va être comme ça jusqu'à la fin de la game, je pense. Icedin qui a quand même beaucoup de pression, hein. Vraiment, on a un très bon niveau technique de la part de KJ. Exactement, mais Icedin aussi qui joue bien le match-up. Oh, attention, est-ce que c'est fini? Ouais, c'est fini. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé, il a très bien joué le match-up. Après, il y a deux énormes gimp. C'est vrai. Le footstool. Et puis, on peut pas parler d'un gimp, à proprement parler sur la troisième stock, vu qu'on est quand même à plus de 100% chez Samus. Ouais. Pas vraiment un gimp, mais un bon edge guard. Ouais, voilà, très bon edge guard. On a, je pense qu'il y a une vraie possibilité. J'ai vu une Samus techniquement au point. C'est vrai qu'il y a peut-être une ou deux DI qui auraient pu être perfectibles, mais dans l'ensemble, on a deux joueurs qui jouent avec un bon niveau. Exactement, c'est du beau jeu. Et ouais. Icedin qui a très bien compris que Samus était un personnage qui aimait bien avoir sa zone. Icedin qui était très agressif, qui mettait beaucoup de pression et qui laissait pas Samus avoir ses options à top shield. Ouais. Bah, car Samus en manque évidemment, elle a pas un bon grab à en parler, elle a pas un bon tilt à lancer out of shield, donc du coup c'est comme ça qu'il faut jouer le match-up. Faut pas la laisser respirer là, Samus. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, une fois que t'es au contact avec Samus, t'es plutôt content. Hein. Exactement. Je trouve qu'en termes de footsies,
Sakurai et son équipe ont un peu déconné sur certains points, notamment au niveau des jabs. Oh, c'est pas mal à 44%. Mais par contre, c'est vrai que dans le concept du personnage, de dire qu'à distance, c'est vraiment un petit zoning très très intéressant avec des coups, des kill moves assez, assez prononcés, assez lourds, flotty. Je pense que le design du perso est bien. Il y a juste vraiment juste le jab qui est nul. C'est bien. Là, le DR en sour spot pour essayer de zoner. On essaie de follow avec un fer. Ça passe pas le FB. Le FB est très bien joué. C'est le seul out of shield vraiment intéressant. Et voilà, c'est ça, c'est ce voilà, hit-là. Ce hit-là avec la rage qui fait. Ça fait n'importe quoi. Hein. Ouais, on peut le dire. C'est comme Game & Watch. Hein. C'est n'importe quoi. C'est dans tilt. Hop là, très bien joué le forward tilt. C'est un très bon outil. Ah, donc KJ qui tente des petits mix-up avec son. Qui tente de grab la ledge avec son Zer. Ouais. Petite vidéo début du My Smash Corner, début Smash 2 il y a pas longtemps qui avait expliqué ça. Oh, bien joué! Top Smash, 5000%, ça fait très très mal. Ah oui, c'est le double hit, hein. Le sweetest spot. Oh! La ride de l'air dodge avec le Down Smash. Et ça fait mal, ça fait très très mal. Hein. Ce Smash qui est vraiment très bon. Et là, KJ qui est en train un petit peu de. J'ai l'impression de faire la fiche, en avant. Il fiche. Ouais. Il fiche là, il a voulu chercher le B, sur la plateforme du haut. Ça aurait peut-être pas tué d'ailleurs. Sans rage, ça aurait du mal à tuer. Hop là, petit footstool. Dash attack. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas de follow-up là-dessus. À ce pourcentage-là, en tout cas. Ouais. Ah, c'est bien ce qu'il fait. C'est bien et voilà, c'est passé cette fois. Très intéressant. Très bien passé, très très bien joué. Donc tu vois, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il a voulu grab ledge avec le Zer, il a cancel ce grab pour mettre un back air. Ouais, mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ça te permet de descendre en fait plus rapidement que la vitesse de chute de Samus et donc de surprendre ton adversaire en dessous de ledge. Et te mettre en bonne position, exactement. Ouais. Ça permet de très très bien te placer. Et déjà en back air, exactement. C'est ça. Et t'as vu, là, tout à l'heure, il a fait en reverse contre Albi, le B toujours. Là, cette fois, il a lancé le back air. Ouais. Très bien, j'ai entendu. Bah, c'est. Ouh, attention le reset, le smash qui va passer. Attention, c'est. Bah, KJ qui fait un très très bon travail sur cette deuxième game. Hein. Ouais, 92%, je te dis. Là, moi, je le trouve bien meilleur que le résultat que Ice Tuding a réussi à récupérer. Attention quand même à pas se faire trop combo. C'est un 2 pair, pas 3. Heureusement, le KJ. Attention. KJ qui devrait faire attention à ce B. Ça fait plusieurs fois qu'il le whiff comme ça. Ouh. Ouais, le problème, c'est que c'est une arme qui est tellement forte qu'on a envie d'en abuser. Ça, mais après, faut pas oublier qu'on est en free fall après un B, que c'est pas quelque chose à balancer à la légère. Ouais. Ça va, ça tuera pas encore. Ça manque, Samus qui manque de rage et Amphinomy qui, même s'il est léger. Par contre, il a stall, là il faut qu'il aille, voilà, faut qu'il hit avec d'autres hits. Ouais, 9 le buffer, exactement. Et très bien joué de Lacto Sniper. Exactement, il manquait juste le petit hit marqueur. Ouais. Donc, très bien joué de la part de Sting qui était en déficit sur ses stocks et qui a vraiment réussi à la clutch avec ce très bon écart de Benetre. Ouais, 126% à 2%, la rage est présente pour Ice Tuding. Attention à pas perdre ce retard trop vite. Ouais. Le B qui passera pas, le up smash non plus. Heureusement, KJ qui va devoir recharger sa boule, c'est pas une bonne idée. Hop là, le DR qui va toucher en sweet spot, c'est pas mal. On va taper dans le shield une première fois. Le up smash de Ice Tuding qui passera pas. KJ qui va essayer de s'employer pour faire tomber la stock. On va réussir à grab le ledge, on va mettre un petit saut air dodge. Ça se bat pas mal, hein. Ça se bat pas mal entre les deux joueurs. On n'arrive pas à tuer du côté de KJ. Hein. C'est ça, attention dans la boule qui n'est pas assez chargée pour prendre la stock à Ice Tuding. Là, voilà, c'est la situation de tout à l'heure. Ice Tuding gère son avance, il essaye de gratter. Bon, attention quand même, là c'est du très très haut pourcentage pour Greninja qui est extrêmement léger. Ouais, le Zer encore pourrait tuer. Une fois. Ouais. Et KJ qui tente beaucoup ce petit mix-up avec son Zer. Ouais, mais la problème c'est qu'il y a 483. Terminé. Ice Tuding qui a été beaucoup plus. J'ai trouvé deux joueurs très bons mécaniquement, mais un qui s'en est servi pour être clutch et l'autre qui a tenté des choses. Exactement, on a eu à peu près les mêmes. Le même script de game d'une game à l'autre. Ouais. Dans la première game qui s'est passé exactement comme la deuxième. Peut-être KJ qui s'en sortait pas trop mal, mais Ice Tuding qui arrivait à très très bien gérer son avance. Exactement. Qui servait de sa rage pour avoir des kills relativement tôt et qui a été vraiment très solide, quoi, vraiment bien joué à lui. 2-0, autoritaire. Du coup, qui avance sur le stream après ça? Écoute, du coup, on voit Mana qui s'installe. Ouais. Le Toon Link niçois. Ah là là, Toon Link, c'est tellement dur à jouer.